Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte pour une nouvelle vidéo la famille, une vidéo un peu particulière. Aujourd'hui on va faire un escape game horreur Fortnite, voilà. Donc moi je suis un énorme fan des escape games et j'ai vu, enfin ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Surtout que ça fait très longtemps aussi que j'ai pas touché au mode créatif. Et j'ai vu que ça s'était amélioré de malade. Et vraiment je suis content de ça et vraiment on va aller découvrir ça. Et avant toute chose, voilà vous me voyez dans la boutique, c'est pas pour rien. N'oubliez pas le petit code créateur qui fait plaisir, NANX2S la famille, accepté, histoire de me soutenir dans la boutique. Et sans plus tarder, on va aller en créatif. Alors, je viens d'y penser, pour ceux qui veulent voir la map, la famille. Hop, je vous enlève ça, vous l'avez tout en haut, le code, et je le remets. Voilà. Du coup, where is that hotel? I know it's around here somewhere. Donc là, il dit, où est l'hôtel? Je sais qu'il est pas loin. Je pense qu'il faut aller tout droit. Pour l'instant, on va aller tout droit. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de trucs qui font peur ou quoi, parce que vraiment, moi, les délires horreur, jeux d'horreur, tu sais, avec la caméra et tout, là, avec vision nocturne et tout, c'est pas du tout, mais du tout mon délire. Bon, je pense que je suis sur le bon chemin, là. La base des bases, c'est l'hôtel qu'il faut trouver. Ah, mais c'est bon, je l'ai trouvé, il est là. Yes! Bon, j'ai trouvé l'hôtel, première étape réussie. J'espère vraiment que la map fait pas peur. Hein. Vraiment, genre... I found it, ok. Alors, pourquoi il y a une flèche, là? Ah! D'accord, c'est comme s'il y avait quelqu'un, genre, qui te réceptionne. Ok, d'accord. Look, you, oh! La 13! Is there anything someone who won the lottery in this room, someone? Oh putain, y'a quelqu'un qui est mort dans cette chambre! 13A. Ok, faut aller dans la 13A. Ok, d'accord, faut aller dans les escaliers. Ok, donc la 13A, c'est où qu'on voit les numéros? Mec, c'est mort, je rentre pas dans ça, moi! Je rentre pas dans ça, gros! C'est où qu'on voit 13? Ouais, il y a eu un zombie, il m'a fait flipper. Ah ok, c'est bon, j'ai la flèche. Ah ça c'est bien le système de la flèche. Mec, le mode créatif, ça s'est trop amélioré, c'est un truc de fou. Ok, donc ça c'est ma chambre. On va refermer. Ah, il me faut du shield. Mec, pourquoi je peux pas y aller? Ah, ok, d'accord. Ok. Ah, il faudrait quelque chose à boire. Ok, donc j'ai vu des popos en bas. J'ai vu des popos en bas. Non, ouais, voilà, juste là. Ah, ben maintenant, on peut y aller. Waouh, c'est trop bien. Alors, ça, je peux pas. Ça, je peux pas. Ça, je peux. Ok, on va voir ça. Hein. Je sais qu'il y a des zombies, mais je sais pas où. Bon, là, il y a rien. Ça, c'est trop amélioré, le mode créatif, c'est un truc de fou. Du coup, ben, c'est bon, j'ai bu. Ah, mais attends, est-ce que je peux en prendre une autre? Ouais. Ok, j'en ai pris une autre. Moi, je suis à 50 de shield. Du coup... Ouais, on peut pas casser, parce que j'ai vu, il y avait des trucs avec de la brique et du fer. Oh, mec, c'était pas comme ça tout à l'heure. Mec! Pause! On peut pas faire pause! What the fuck? J'avais... Attends, mec, je savais pas qu'on pouvait faire ça dans le mode créatif. C'est quoi, ce délire? Mec, t'as vu ça? Waouh, le délire, frère! Mec, y'a plus le truc! On va où, là, du coup, maintenant? Bon, la chambre, elle était un bordel. Et du coup, où faut-il aller, là? Je vais aller à l'accueil, non? Je vais aller voir le mec, lui dire, mec, ta chambre, il y a un gros problème, mec. Ah, il y a des zombies, je les entends. Ah, ok, tu vois, il faudra aller à l'accueil. Ok, il y a des zombies ici. Ah, il faut détruire le spawner, ouais. Bon, ça, c'est des zombies, on a l'habitude, hein. Retail, tu connais. Ouais, par contre, ceux qui ont détruit le spawner, gros. Comme ça? Ok. Ok, bam. Allez, détruisons ce spawner de merde. Moi, c'est pour ça que je pense qu'il me fallait du shield. Bon, je pense que ça... Même sans shield, je pense que c'est facile à... Ok, j'ai détruit le truc. Yeah. Pourquoi il y en a d'autres qui spawnent? Waouh, on peut enlever les marques? Je sais pas, je me suis dit j'allais détruire toutes les marques, ça a rien changé. On va se mettre le kit. Bon, franchement, la map, elle est hyper bien faite, vraiment. Elle est hyper bien faite. C'est du lourd, franchement, c'est du lourd. Le mec qui l'a fait, GG à toi, frérot. Là, c'est bon, je crois qu'on en a fini ici. Du coup, je pense qu'il faudra aller à l'accueil, non? À moins qu'il faille aller en haut. Ouais, il faut aller en haut. Ça, c'est cool, le système des flèches, là. Au moins, tu sais la quête où elle se continue. En tout cas, de ce que j'ai vu, la map a l'air simple. Il y avait écrit facile dans le menu, donc...
Ok. Pourquoi il y a des boîtes là? What? Faut que je me barre, wesh. T'es, ça va être chiant le bot. T'es, pourtant je suis arrivé derrière lui, il m'a pas tué. Ok, là je l'ai vesqui. Why? Heureusement. Why? Oulala. Lui il a quoi lui? Faut aller où là? Je sais pas si je peux le détruire. Faut revenir peut-être, je sais pas, je comprends pas trop en fait là ce qu'il faut faire. Ah mais y'a des zombies là, what the fuck. Oh putain, je suis presque mort. Oh mec, y'a trop de zombies, wesh. Ouais, je suis mort, gros. Je sais pas où il faut aller en fait là, là je suis bloqué. On va fermer la porte pour pas qu'ils viennent. Non mais j'ai bien compris, il faut venir ici mais... Putain, y'a un gros zombie là, non? Ouais, il est là. Ah mais je crois que comme je l'ai débloqué, ça veut dire que... Wesh, il a tarpé de vie. Ah ouais, ouais, la flèche elle a changé d'endroit. Ok, c'est ça qu'il fallait faire. What? Ah, oh, il va me tuer là par contre. Ouais, j'étais bloqué. Ok, donc ça va. Je sais maintenant que voilà, maintenant il faut monter en haut. Mais là, il y a énormément de zombies, ça va être la merde là. Ok, c'est bon, j'ai fermé. Why? Il y en a d'autres là. Oh non. Vite, sors. C'est quoi ça? Waouh, il y a un nain en feu, frère. Il me faudrait du shield de nouveau, je sais pas, mais... Alors, du coup, là, maintenant, il faut continuer vers là, je pense. Il a essayé de faire des trucs chelous, à mode avec les trucs... Franchement, il est fort. Genre, délire... Oh, fais chier, oh, fais chier. Mais eux, ils font trop mal, c'est un truc de fou. Là, je suis mort, tu vois. Là, tu vois, je suis mort. Il est où mon spawner, là, d'ailleurs? J'espère qu'il est pas loin, là. Je crois qu'il est juste là. Je suis pas sûr. Oh non, putain. C'est quoi, ça? Oh yes, ça a détruit le spawner du coup. Je crois. J'ai ouvert une porte, je sais pas où il faut aller maintenant. Mais là j'ai ouvert une porte. On avance, franchement on avance. Ah tu vois, il faut aller tout en bas, c'est bon, je vois la flèche. Ok. Donc faut quand même se rapprocher de l'objectif pour le voir quand même. Sinon tu le vois pas de très très loin. Ok, donc on a débloqué cette porte. Ok, donc ça a l'air d'être comme dans ma chambre. Sauf que là il y a deux armoires, moi et mon carotte. Ah ouais, là c'est lourd là. Attends, je referme, on sait jamais. Ok, checkpoint. Alors. Du coup, là, il y a que des tombes. Ah, yes, ok, c'est un petit parcours, genre, je vois. Je vois le délire. Ouais, il m'a fait flipper. Vampire bat, I gotta be quick. Ah, je suis en train de perdre de la vie, putain, fais chier. Ok, ok, ok. Ah, oh, merde, je suis tombé. Ok, yes. Faut que je fasse vite. Je suis en train de perdre de la vie, bordel. Y'a tout qui me bloque là en plus. Ok. J'ai bientôt fini, je crois. Enfin, ok, je suis pas sûr. Ouf. C'est bon. J'ai réussi. Oh mec. Il a dit qu'il faudrait que je dorme ou je sais pas quoi. Du coup, moi je me suis dit lit direct et au final je suis mort. Oh mec, trop bien. Ah, ça c'est une technique qu'on avait vue avec des potes à moi. Quoi? T'avais écrit quoi? T'es mec, c'est trop bien. T'as vu ce qu'il a fait, genre en gros? And here you wait for the next to come along and free you like you did I. Thank you for playing break the cube to end the game. Il est où le cube? Ah, il est là le cube. Ok, bah, franchement on a fini la map. Et ce qui est trop bien à la fin, je sais pas si vous avez remarqué le délire, mais c'est qu'en gros quand j'ai sauté sur le lit, j'ai cru que j'allais... Ben, je suis mort. J'ai cru que j'allais respawn à l'ancien checkpoint. Mais en fait non, il a fait genre comme si tu t'étais endormi. Et après l'endroit où j'étais, c'était dans mes rêves en fait. Et quand je suis remort, je suis venu à l'accueil. Et là il a dit ben la suite arrive dans pas longtemps pour justement dans une autre map quoi. Donc franchement magnifique. Il y a des nouvelles mécaniques et tout dans le créatif, c'est incroyable. Du coup, on va casser le cube pour terminer la game. Et voilà, game terminée, magnifique, vraiment.
Yes, on a terminé. Dites-moi la famille si vous voulez d'autres maps. Dites-moi si vous avez des maps en tête que vous pensez qu'ils sont bien, que je pourrais faire en solo. Et après, il faudra bien sûr que j'en fasse d'autres avec des abonnés ou quoi. Mais si vous avez d'autres maps en solo, dites-moi les codes en commentaire, la famille. Franchement, ça m'intéresse. La map était vraiment trop cool. Sur ce, la famille, nous, on se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas. Et j'ai kiffé la map, voilà. N'oubliez pas les codes des maps que vous avez en tête dans le même délire que je viens de faire là, en solo. Dites-moi les codes en commentaire. Et sans plus tarder, je vais vous laisser. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas pour le son de vous. Bang, bang, bang. La vie de rêve, non, l'a jamais eu. On l'a jamais eu. On l'a jamais eu. Je me suis barré d'ici pour me garder dans l'inconnu. Dans l'inconnu. J'ai la vue sur les monts, c'était l'univers. C'était l'univers. J'ai traversé Orient, la ceinture de Kuiper.